Performance vocale par Vladimir Atavin. Le poème d'Alexander Chiselski. Il est envoyé vers Soura en Russie. Puis il y en a un autre à 8 MHz qui est transmis en même temps. On le voit sur le matin. C'est une transmission de ce qu'on appelle du slow scan TV. Ces deux transmissions-là, simultanément, du côté de la Russie, sont supposées entendre les deux l'une dans l'autre à cause de l'effet Luxembourg. Mais ici, on n'est pas du bon bord, donc on les entend séparément. Je n'ai pas le logiciel. J'ai installé le logiciel pour faire le décodage de slow scan TV. C'est une vieille technologie. Mais on recevrait, avec ces données-là, on recevrait le... L'échocardiogramme produit par Radimed à Montréal de Amanda Dawn Christie, qui est l'artiste derrière la performance. On va aller réécouter l'autre partie. Ah, les deux sont bien. Okay. C'est une bonne affaire parce qu'on entend des signaux qui sont supposés être dirigés vers la Russie, les deux signaux. Cette transmission-là va durer jusqu'à 3h42 heure universelle. On est 3h39, on le voit en haut à droite. Écoutez, avec mes gars, je pense que c'est le même système. Ouais. On va rester sur cette fréquence-là, 8 MHz. Je pense que la prochaine transmission qui est à 3h42 et 30 secondes sera une transmission en mode AM. Une performance sonore de José Alexandre Rivera. C'est transmis en direction de Porto Rico. Là, on est dans le chemin, on devrait être bon pour le recevoir.
Okay, that's remote LRD experience. Le cric-crac qu'on entend, c'est qu'il y a des orages électriques dans les régions alentours, puis on entend les éclairs là, qui nous contaminent. Texture,
situation. In my situation. Forgiveness. Yes, I said. Similarly. I think that we need to continue to talk about the first one. Life in the first one. Prochaine transmission sur 9.6 MHz en direction de Marseille. On va changer d'antenne, on va enlever les papiers. Performance sonore, 7 par Sarah Lance. C'est un texte poétique de Rasu Yan Tugan. Ça provient de Songs from a Black Moon. Sonification of Nancy Roll Measurements from the Marseille Tidal Gauge. Je vais voir la description, c'est compliqué. Prochaine transmission sur deux fréquences en même temps. On a une qui est déjà sur cette fréquence-ci, 2.9.6, ça sera la mélodie. Et sur l'autre fréquence, à 2.1, ça sera un solide tone. On va encore tentative de faire Luxembourg, ou dans une allemande, ou une ligne, dans la bonne région, on entend les deux aux deux fréquences. Ça va être dans moins de 30 secondes. Improvisation au saxophone par Geneviève Dorton. Ici, on n'entend pas l'effet du tambour parce que si on voit à l'autre fréquence, théoriquement. Attends juste un peu. On entend deux choses en même temps. À notre point, en dessous, c'est une transmission parasite de l'autre fait. Est-ce qu'on voit les bords diagonales, les bruits de fond? Là? C'est une transmission numérique en probablement du DRM, là, du Radio Digital Mondial. Mauvais hasard, là, qui sont sur la même fréquence. Le ton, on l'entend.
Donc, ça va être 700 Hz. Mais il n'y a pas d'effet Luxembourg perçu ici. Normalement, l'effet Luxembourg, c'est quand les deux fréquences se mélangent dans l'ionosphère pour recréer une intermodulation. À ce moment-là, on entend dans les deux stations. On va retourner la mélodie, c'est plus beau. Une transmission, même fréquence, même effet Luxembourg. À noter que cette transmission-là, celle d'avant, était dirigée vers Montréal. Fait qu'on est normalement vraiment dans le boom. Fait que s'il y avait eu un effet Luxembourg, on l'aurait perçu ici. Sur la prochaine transmission, 5830, ça sera des notes pures. À 9.6, on va entendre un accord. Deux accords différents qui sont transmis normalement dans chacune des fréquences. C'est des accords dissonants, c'est des wolf fifths. Accords dissonants des notes qui sont séparés par 7 demi-tons, c'est ce qu'on considère comme des accords particulièrement dissonants.
sur l'autre. Je vois la différence entre les deux fréquences, on va changer rapidement entre les deux. Évidemment, s'il n'y a pas d'effet Luxembourg, les deux transmissions sont complètement distinctes. Normalement, il aurait dû être similaire. Donc là, ici, on est loin. Ici, on est vraiment mélangé. Ouais, il y a un petit peu d'effet Luxembourg, très peu. C'est rare ça quand même. Ici on le voit. Ça, c'est les deux transmissions mélangées ensemble. Ce mélange-là, c'est un phénomène très spécial. Le mélange n'est pas à la source, il est dans dans l'espace, c'est carrément. C'est l'ionosphère qui fait une retransmission, qui intermodule les deux transmissions l'une de l'autre. Allez voir sur Wikipédia qu'est-ce que l'effet Luxembourg. Ça prend, pour y arriver, ça prend des transmissions à très haute puissance. Prochaine transmission à 4h04, ça sera du Morse. Sa transmission en réalité, elle est à 9.1, je crois, à bonne fréquence.
Thank you.
passer l'heure pas mal. J'ai supposé, ce problème-là, t'as supposé arrêter à 4h10. Je me demandais si on va pas manquer l'autre partie. Le 5.26, on va aller voir. Cette transmission-là, ils sont supposés nous envoyer une image qu'on est capable de voir sur la boîte de France. Fait que c'est ce que j'essaie de faire. Mais c'est trop là. Trop de... Ici, c'est vraiment... On est dans une bande où l'électricité statique des orages est très dérangeante. Commence à distinguer. Il est supposé avoir un dessin d'éclair et un dessin de plume. J'ai misère à comprendre ce qu'on voit, mais... C'est supposé se promener entre 22 et 20, puis 30. On voit là, 22 là, et 30 et 30. Ça va aller au milieu à 26.
40 de chaque bord, ça va déjà mettre à 50. Il est trop, j'ai trop de parasites. C'est pas très concluant. C'est pas comme je pensais, là. C'est effectivement juste des dessins faits par les barres qui font que ça représente une plume et un éclair en ce qui sont superposés. Je m'attendais à de quoi qui était plus modulé que ça. Thank you.
transmission va être à 4h27, c'est un là. Ça sera à 8.7.4. Transmission rotative. Et qu'on devrait supposément entendre seulement des sections de transmission. Un qui est à 8 et l'autre qui est à 7.4. C'est une composition par l'artiste humaine Amanda Dawn Christie. Poser la dernière partie, il y a une élévation dans l'horaire, parce que la prochaine partie va être à 4h56, on n'attendra pas jusqu'à là. Une autre composition, même la chose d'avant, une composition de la main de l'homme, donc on va rester ça à part.